échec. On va parler de l'échec. Parce que l'échec, les gens disent non, j'ai échoué. Normal. Ok? L'échec fait partie du succès. L'échec, c'est le poumon du succès. Ok? Ça, il faut qu'on sache ça. L'échec, c'est le poumon du succès. C'est pas l'opposé du succès. Si tu veux avoir du succès dans la vie, il faut que tu aies d'abord une maîtrise avec l'art d'échouer. Parce que c'est en échouant plusieurs fois qu'on atteint le succès. Comment on va le faire? C'est la partie numéro 8. On parle de discipline et cohérence. Ok? Je vois les gens, je vous ai déjà dit mon public en français. Un, les gars, travaillons sur notre marque personnelle. Je suis en train de vous suivre auprès. Les gens qui se connectent avec moi tous les mercredis sur Zoom, je vous dis, travaillez sur votre marque personnelle. Commencez à faire du contenu. Il y a peu de gens qui le font. Donc, il n'y a pas de discipline. Mais s'il n'y a pas de discipline, tu vas toujours échouer. Puisque tu n'as pas besoin de discipline dans ce que tu fais. Tu peux rentrer dans mes cours tous les mercredis, tu rentres dans mes cours. Si tu n'appliques pas ce que je te dis de faire, tu n'auras pas du succès dans tout ton entrepreneuriat. Ok? Si tu veux avoir du succès dans l'entrepreneuriat, il faut que tu aies de la discipline et de la cohérence de faire ce qu'on t'a demandé de faire tes devoirs, d'aller de l'avant, de faire le contenu, de créer ton public, de donner des cours. Mais si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais avoir des résultats. Ok? Donc, il faut que tu travailles sur ta discipline comme entrepreneur. Il faut que tu travailles sur ta discipline comme homme d'affaires. Il faut que tu travailles sur la discipline de faire le contenu. Il faut que tu travailles sur la discipline sur tes publications. Il faut que tu travailles sur la discipline dans le suivi de tes personnes. Il faut que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, tu es en train de perdre le temps littéral. Donc, c'est très important de travailler sur ça, ok? Et de le faire.